Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo euh, sur les logiciels de capture, du moins ceux que euh, voilà, ceux que j'ai pu utiliser. Euh, bon, qui sont les, les plus courants, les plus connus. Euh, tout d'abord, bon, vous n'avez pas le la configuration habituelle, la webcam Watt, c'est juste parce que voilà, je suis sur mon PC portable. Euh, je fais cette petite parenthèse là parce que j'ai trouvé cette solution donc d'avoir une double config, ma config bureau euh, où j'ai ma webcam, mon micro Newer euh, et tout ça, et euh, une configuration PC portable. Avec un micro qui me permet de pouvoir m'isoler euh, bah dans un bureau déjà qui est qui est très très bien isolé. Donc vous aurez un peu moins de résonance et je pense une qualité de son beaucoup plus propre. Et surtout il n'y aura pas de bruit ambiant. C'est le, le gros avantage à part la ventilation du PC. Voilà, c'était la petite parenthèse. Euh, donc c'est normal qu'aujourd'hui vous avez une capture. J'essaierai de mettre une webcam et de faire ça plus proprement par la suite quand je serai dans cette pièce là. Euh, donc, je voulais vous parler un petit peu des logiciels de capture euh, pour vous, pour ceux qui recherchent, voilà, pour faire de la capture d'écran ou de la capture de jeu. Donc, euh, je vais vous en parler principalement de trois, qui sont les trois que j'ai pu utiliser. Donc, déjà à l'écran, vous pouvez voir celui qui tourne actuellement, qui est OBS, hein, dont j'ai volontairement enlevé l'aperçu, comme c'est une capture d'écran pour pas que vous ayez cet effet miroir qui en finit jamais. Euh, donc Obs pour moi c'est peut-être celui que je préfère on va dire pour tout ce qui est capture, euh, ce qui est capture de webcam ce qui est capture de d'écran euh, c'est un logiciel voilà, qui est gratuit qui est extrêmement complet qui vous permet donc comme je vous avais expliqué dans la présentation euh, d'avoir plusieurs scènes donc ça va être vraiment le gros point fort pour moi c'est vraiment le plus complet il permet de streamer il permet d'enregistrer euh, et vous pouvez faire vraiment pas mal de choses vous avez euh, Quelque chose de très intuitif, vous avez vos scènes ici, euh, ce qu'il y a à l'intérieur de vos scènes, vous gérez vos sources audio ici, euh, vous pouvez gérer après les transitions de scènes, enfin, vous avez tout en. Voilà, vous avez un petit condensé, un bon petit tableau de bord, et, et puis l'aperçu ici, bon, j'ai désactivé pour pas que vous ayez un effet euh, miroir, mais vous pouvez activer à tout moment, je vais vous le mettre, mais voilà, vous allez avoir cet effet là qui est pas, qui est pas super. Donc c'est vraiment un bon petit logiciel. Donc, celui-là, j'en avais déjà fait une présentation en vidéo. Après, vous avez le logiciel Mirelis Action. Alors, Mirelis Action, moi, c'est un logiciel que j'affectionne plus pour de la capture de jeu. Il faut savoir qu'il est très performant au niveau de la capture de jeu. Euh, donc, c'est un logiciel bon, qui est payant. Mais euh, enfin, la licence coûte une trentaine d'euros, ça vaut vraiment le coup. Euh, sachez pour les utilisateurs d'NVIDIA que euh, NVIDIA a sa propre solution au jour d'aujourd'hui, j'ai plus le nom en tête, je suis vraiment désolé, mais a sa propre solution de capture qui, qui est gratuite du moment où vous avez une carte graphique NVIDIA. Enfin, qui ne fonctionne que sur les cartes graphiques Nvidia. ATI, je ne crois pas qu'ils aient offert la même chose. Mais euh, sur Nvidia, vous avez l'alternative. Sinon, Action est vraiment pas mal. Il vous permet de gérer jusqu'à deux webcams supplémentaires. Euh, en plus de votre capture de jeu, vous pouvez faire aussi de la capture d'écran. Euh, donc c'est plutôt pas mal sur ce point-là. Et ensuite, j'en ai un autre que j'ai pas mal utilisé au début. Euh, qui est Camtasia Studio que euh, je vais pas pouvoir vous ouvrir en même temps euh, parce que sinon on va ouais, je vais perdre le micro si je l'ouvre parce qu'il va prendre la priorité sur le micro Camtasia Studio est vraiment pas mal aussi pour faire de la capture d'écran et il a surtout le gros avantage c'est que quand vous avez fini une vidéo en fait tout simplement euh, vous passez directement sur une table de montage Donc, vous... moi c'est ce que j'utilisais au début c'était vraiment excellent pour les tutos parce que j'avais à y gérer une webcam je lançais ma vidéo enfin ma capture d'écran euh, j'avais mon micro et ma webcam je faisais mon tuto, arrive à la fin, je validais, j'avais plus qu'à bazarder mon intro, faire 2-3 petites retouches sur la vidéo. Donc, ça c'était vraiment pas mal de sur ce point-là. Donc, pour ceux qui débutent, qui font du, du, du simple, qui font pas de gros montage vidéo, c'est euh, vraiment une excellente solution Camtasia Studio parce que vous allez avoir la capture d'écran et surtout le petit logiciel de montage qui va avec. Ça vous évite d'avoir un logiciel supplémentaire pour le montage. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, par la suite, vous pourrez passer par des solutions comme OBS qui vous permet aussi de faire un peu de montage en direct si vous avez bien paramétré vos scènes, ou alors euh, de passer par Action. Mais après, il faudra passer par des logiciels de montage vidéo. Euh, donc, franchement, c'est pas pour leur faire de la pub et pour reprendre la simplicité. Adobe Premiere est plutôt pas mal. Euh, je, je reviendrai aussi sur les logiciels. Je ferai une vidéo sur les logiciels de, de montage vidéo parce qu'il y a pas mal à en dire là-dessus aussi. Mais sur les logiciels de capture, voilà, moi j'ai pu tester, alors il en existe énormément. Pour les jeux, vous avez Fraps aussi. Fraps, moi personnellement, je n'ai jamais adhéré à ce logiciel-là. Bon, il a l'avantage d'être gratuit, euh, la qualité est pas mal, mais euh, il vous génère des, pour moi des fichiers qui sont extrêmement lourds. Enfin, je ne suis pas un grand fan de, de Fraps. Action, lui, vraiment, pour la partie jeu, je l'ai vraiment toujours trouvé très stable. J'ai rarement eu, pour ne pas dire jamais eu, de. Euh de, de bugs de capture hein. comme vous pouvez voir j'ai déjà capturé plusieurs fois avec euh, donc certaines vidéos ont été faites euh, ben, comme celle d'OBS quand je vous avais fait je l'ai encore ici la présentation du logiciel OBS je l'avais fait avec action euh, donc il est pas mal en plus vous avez le petit compteur pour savoir en temps réel les, les fps donc ça c'est plutôt pas mal c'est peut-être un petit peu ce qui manque sur, euh, sur OBS euh, c'est justement le fait d'avoir ces, ces fps c'est un petit peu dommage euh, donc voilà c'est franchement c'est un bon euh, Action est un très bon logiciel du moment où vous faites du jeu. Sur la capture d'écran, privilégiez OBS qui est gratuit. Vous embêtez pas. Quand vous faites de la capture d'écran pour du tuto ou autre, vous embêtez pas à acheter des logiciels. Prenez OBS il fera un super job. Ou alors prenez Camtasia Studio qui est vraiment excellent parce qu'il va combiner la partie capture et la partie montage vidéo. Euh, c'est juste que vous, euh, Et encore non, vous ne serez même pas limité pour les webcams, vous pouvez en mettre qu'une seule par contre de souvenir. Euh, mais vous pouvez dans le, la vidéo, après si vous l'avez enregistrée en 1080, la mettre en plein écran. A savoir quand même, je mets une petite retenue, euh, il a un petit peu de mal justement avec les webcams 1080, moi je sais que la C920, il avait un petit peu de mal à la gérer. Alors qu'OBS la gère très bien. Euh, du moment où vous passez par la petite configuration que je vous avais mis, donc pour euh, paramétrer, euh, c'était la vidéo, paramétrer votre webcam sur OBS ou bien paramétrer votre, web, votre webcam sur OBS. Je vous avais donc euh, montré comment bien voilà, utiliser une C920 ou autre webcam. Donc sachez que OBS, c'est sûr que niveau configuration, il faudra passer un petit peu plus de temps. Il faut, faut des petites bidouilles comme je vous ai montré, rajouter des codecs, essayer de, de trifouiller par-ci, par-là. Mais vous arriverez à un super résultat. Si vous cherchez la facilité, prenez Camtasia Studio. Il est extrêmement simple à utiliser. Euh, Là-dessus, vous pouvez être tranquille. Euh, que vous soyez en simple ou double écran, c'est euh, peut-être même, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être même le, le meilleur si vous avez qu'un seul écran. Parce que vous allez avoir un petit encadré OBS, si vous voulez faire de la capture d'écran avec un seul écran, ça va être la galère. Parce que soit vous allez devoir, comme j'ai fait là, euh, désactiver l'aperçu, puis si vous faites une capture d'écran, vous êtes obligé de le réduire. Donc du coup, ben, vous n'avez aucune info. Ça, il faut savoir que c'est Miris Action, hein. Voilà, vous êtes en mode capture, y a, vous n'avez plus aucune info. Donc c'est vrai qu'il vous faut un double écran. Que l'avantage de Camtasia Studio, c'est qu'en fait la petite fenêtre où vous avez l'aperçu de votre, de votre petit gain micro comme ça, et de votre webcam, est affichée, mais réellement elle n'est pas sur la capture. Donc ça, c'est plutôt bien géré. Donc c'est vrai que voilà. Moi, franchement, si je peux vous conseiller, pour de la capture d'écran hors jeu vidéo, prenez OBS. Il marche aussi pour du jeu vidéo. Je ne l'ai jamais vraiment testé pour être tout à fait franc euh, purement en jeu vidéo. Mais voilà, moi je sais que pour de la capture d'écran, il a le mérite d'être gratuit. Il a cette fonction de scène qui est excellente. Vous pouvez paramétrer votre intro, bazarder votre intro au début ou autre. Euh, il est extrêmement fin au niveau des réglages. Ça c'est excellent aussi. Euh, ça peut être problématique pour certains parce qu'il peut être un peu dur à paramétrer Mais ça vous permet d'avoir des réglages extrêmement fins Et si vous avez un PC qui est un peu limite, de jouer un peu par-ci par-là pour essayer d'avoir quelque chose de propre Et du coup pour du streaming c'est excellent euh, Vous avez XSplit aussi qui est dans la, même, euh, dans la même optique Mais franchement si on fait un match X-Split OBS, n'allez pas payer XSplit, prenez OBS, sans hésitation euh, Il est assez stable, moi j'ai rarement eu de plantage avec OBS donc voilà, sur de la capture d'écran, prenez OBS ou Camstasia Studio, comme ça vous combinez euh, capture et euh, montage vidéo. Pour de la capture de jeu, prenez mirillis Action ou alors utilisez euh, le système de capture de Nvidia qui est, vraiment, euh, qui est vraiment pas mal. Euh, J'ai pu voir que, quelques YouTubers qui s'y sont mis et apparemment ça, ça fonctionne plutôt bien, c'est fluide. Euh, et puis comme il est géré par la carte graphique, du coup c'est beaucoup plus léger parce que c'est géré en amont par la carte graphique. Euh, ou alors vous avez toujours la solution de passer par un boîtier externe. Hein, euh, donc euh, voilà. Je pense avoir fait le tour donc, sur les logiciels de capture. Donc voilà, je... Je vous conseille franchement que ce soit OBS, Camtasia, Camtasia Studio pardon, et euh, Mirillis Action. C'est vraiment des, des logiciels que je, vous, que je vous conseille. Les prix de licence sont assez dérisoires. Euh, 30 euros pour Mirillis Action, c'est franchement pas cher payé euh, par rapport à la qualité qu'ils qui donnent. Euh, après, ben voilà, hein, si ben, vous n'avez pas envie d'investir, moi je vous dis, OBS est le meilleur des choix. Il est gratuit complet, il fonctionne très bien et c'est un excellent logiciel pour, pour du gratuit franchement je, je vais peut-être me tromper mais je pense qu'il n'y a pas mieux je pense qu'il n'y a pas mieux je me trompe peut-être mais pour moi je pense qu'il n'y a pas mieux sur du gratuit OBS reste le top du top euh, donc voilà j'espère que ça a pu vous aider euh, n'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions dans la description euh, sachez aussi que j'ai lancé une vidéo FAQ, donc vous allez pouvoir euh, poser des questions sur diverses vidéos. On va vraiment rassembler. Ça sera pour, en fait, ces vidéos FAQ, ça va être pour remplacer un peu les lives que j'avais commencé à faire. Mais euh, voilà, là, ça sera sur plus long terme. Vous posez vos questions et je ferai une vidéo. J'essaierai de répondre un petit peu à tout le monde, euh, en espérant j'arrive à rassembler un petit peu plus de, de monde. Mais bon, vu le nombre d'abonnés maintenant, je vais commencer à voir si ce type de vidéo fonctionne. Mon amont, ben, j'essaye je de, de, de faire toujours évoluer la chaîne, vous ne me voyez pas forcément tout le temps poster des vidéos, mais sachez que je suis assez actif en dehors. Euh, parce que ben, j'essaie toujours de voir si je peux avoir des produits en test, si je peux euh, essayer d'apporter du contenu. J'ai travaillé un peu en faisant un site internet, euh, donc vous pouvez avoir le lien Amazon, où et vous pouvez retrouver quasiment toutes les vidéos de test. Euh, je suis en train de travailler pour développer un peu euh, pas forcément Facebook, euh, je l'ai mis mais c'est pas celui qui m'intéresse le plus à développer, mais peut-être Twitter. Donc j'ai rajouté le lien euh, de, pour Twitter. Donc voilà, donc je vous ferai une vidéo aussi sur les logiciels de, de montage. Euh, de, de montage vidéo pour essayer de vous en parler. C'est pareil, on parlera des grands titres. Euh, J'ai pas vraiment de choses miraculeuses après à vous montrer. Vous allez voir que je vais quasiment vous parler que de payants parce que des gratuits, j'en ai quasiment pas testé. Euh, et vous allez voir que là par contre c'est... Voilà, en gratuit, j'ai pas encore trouvé vraiment ce qui me permettait. Pourtant, je fais pas de gros montages. Hein. Je fais des montages qui sont assez courts euh, et qui sont pas exceptionnels. Hein, mais j'arrive pas vraiment à trouver euh, autre que sur du des logiciels qui sont assez connus. Mais on reviendra là-dessus sur une prochaine vidéo. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine.